Car là, cette comédie musicale dans laquelle la candidate la Star Academy aura un rôle important. Carla a brillé dans la nouvelle édition de la Star Academy. Que ce soit par sa présence scénique ou encore pour ses talents de danseuse. La jeune femme qui s'est montrée très investie dans l'aventure afin d'acquérir toujours plus d'aisance sur scène. Malheureusement, Carla a été éliminée aux côtés de Paola lors de la semaine des destins liés. Une déception que la jeune femme avait prise avec philosophie. Je redescends doucement de ces 3 semaines magiques au château de la Star Academy qui m'ont fait grandir humainement et musicalement parlant. J'ai rallumé mon téléphone ce matin et je suis tellement surprise de voir tous vos messages de soutien et votre bienveillance envers moi. Merci à toutes les personnes qui ont voté pour Paola et moi hier soir. Malheureusement ça n'a pas suffi mais je suis fière et heureuse d'avoir vécu cette aventure et d'avoir appris énormément sur moi. Bravo à mes beaux télé à Essiana qui ont assuré sur ce prime ainsi qu'à tous les autres qui ont fait le show. A écrit Carla, sur son compte Instagram au lendemain de son élimination. Après quelques jours de vacances, Carla a repris le travail. La jeune femme avait déjà joué et chanté sur scène dans le spectacle Mamma Mia en Belgique. Et la jeune femme va de nouveau interpréter le rôle principal, Sophie, comme l'ont relaté nos confrères de télé 2 semaines samedi 12 novembre. Le spectacle reprend du service dès le 20 janvier et se produira aussi les 21 et 22 janvier 2023 au Forest National de Bruxelles. À partir du 16 novembre 2022, Carla est aussi sur la scène du Théâtre de Paris pour plusieurs représentations de la comédie musicale Producteur. Signé Alexis Michali. Outre les images des répétitions publiées par la jeune femme, elle serait en train de travailler sur un nouveau projet. De quoi faire languir encore un peu plus ses fans. Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Omer Vacances ou un coffret jeu disco party avec Hugo Images.